pour nous capables de continuer à adorer, bon Dieu. Continuez, mettez-nous à disposition pour bon Dieu parler avec nous. Service ça, après transmettre par radio VHTC, Provo Turkenkekos, PDG Donald Metellus. Et nous gagnons Radio Télétrans Nord, qui après transmettre, et puis nous gagnons Channel YouTube et Epsel TV, qui est capable de garder service ça après-midi. Nous invitons à ouvrir la Bible ensemble avec moi. Dans 1 Chronique, chapitre 29, nous appelons verset 10, arrivé dans verset 19. 10 à 19. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et Israël, nos pères maintiennent à toujours dans leur cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermit son cœur en toi. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Assoya, quatrième soirée dans réveille-la, les baptiser l'attitude du cœur dans les offrandes volontaires. L'attitude du cœur dans les offrandes volontaires. Nous sommes capables de regarder dans verset 14, côté nous sommes lire dans un Chronique, chapitre 29, verset 14. David déclarait, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David, serviteur de l'Éternel, tant qu'on t'a dit hier dans un message, nous, t'es décidé volontairement pour être capable de construire un temple pour l'Éternel. Il dit, pour ça l'Éternel fait pour lui, pour côté l'Éternel sorti avec elle. Livre construire une belle maison pour capable permettre peuple bon Dieu à capable louer bon Dieu. Mais l'Éternel pas d'accord pour David te construire temple. Il dit non, c'est pas vous qui gagne pour construire temple. C'est un nan descendant sou yo qui gagne pour capable construire temple. Et David, en tant que serviteur de l'Éternel, bon serviteur de l'Éternel, il était accepté. Bien qu'il était brûlé dans quel pour le construire ton plan. Mais il était accepté parce que il est serviteur de l'Éternel. À ce moment-là, on a pris ensemble avec vous l'attitude du cœur dans les offrandes volontaires. Il est important
pour nous capables ouais avec vous sur sujet ça quatre dimensions que nous trouvons dans offrande quatre dimensions parce que les offrande volontaire c'est clé bénédiction offrande volontaire laissez pas forcer ou forcer offrande volontaire c'est clé bénédiction jodi a là n'a parlé de offrande volontaire n'a parlé en connaissance de cause là n'a regardé David ça David te fait pour le te capable offrir bon Dieu toute bagaille ça yo que nous lire dans 1 Chronique chapitre 29 nous lire à partir de verset 4 verset 5 4 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Ouais, David t'a offert en pile bagaille. Il t'a offert l'or, l'argent, il t'a offert airain, il t'a offert fer, il t'a offert pierre d'onyx, il t'a offert bois, il t'a offert en pile bagaille. Dans ça bon Dieu t'a bali, il t'a offert sans c'est pas monde qui t'a forcé. N'a parlé sous ça à soir parce que jodi a là il y a parlé de offrande dans l'église gain en pile monde ça pas fait bien du tout et c'est un coup son sujet tabou les un serviteur a parlé de offrande mais nous garder à partir de passage là les David lui-même c'est pas forcé ou te forcé c'est que David t'a décidé volontairement pas crainte pour l'Éternel il t'est offert bon Dieu tout ça que l'été offrit lui. Et nous, le peuple là aussi, te suivre David. Le peuple là, t'es venu avec un pile bagaille pour être capable d'offrir l'Éternel. Et de là, ils comprennent que si vous baillez l'Éternel dans ça, vous gagnez, c'est serré, vous serrez, ça vous baillez l'Éternel là. Dans Exode chapitre 35, verset 29, nous lire tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse et apporter des offrandes volontaires à l'Éternel. C'est pas à partir de David, ça fait longtemps que peuple là, c'est avec un cœur sincère, avec volontairement, ils ont porté offrande pour l'Éternel. Mais je dis à le peuple de Dieu, en pile monde dans peuple bon Dieu a yo pas décidé ben volontairement tu te dit hier gen moun gen l'église c'est marketing yo obligé faire les affaires offrande parce que peuple là pas décidé bail yo obligé chercher des astuces pour yo capable bail offrande yo obligé chercher quelques bagages pour encourager peuple là. Quatre dimensions nous parlons à soi sous offrande volontaire. Première dimension, l'offrande est un acte d'adoration. Première dimension, offrande, c'est un acte d'adoration. L'opporté une offrande pour l'Éternel, c'est un acte pour montrer comment on va adorer bon Dieu. Dans ça, bon Dieu te bat. Dans fruit, bon Dieu te bat aussi ou même c'est ou cap son cultivateur. Ou peut-être capable de venir ou venir offrir, bon Dieu. Non, ça, bon Dieu, t'es bon. Si vous êtes un monde un professionnel, qui a fait profession libérale, dans le travail qu'on fait, dans la connaissance que mon Dieu bon, ou venir pour capable honorer, bon Dieu, pour capable adorer, bon Dieu, pour capable montrer, bon Dieu, comment on est content. Parce que dans ça, t'es bon, ou venir pour capable offrir. Première dimension, au fond, non, c'est un acte d'adoration. Et là, pas adorer, bon Dieu, ou pas capable adorer n'importe qui. Gon gens pour adorer bon Dieu. Est-ce qu'on capable bon Dieu n'importe bagaille? Soit pas adorer bon Dieu, est-ce qu'on capable venir devant bon Dieu n'importe qui gens? Nous capable réaliser qui gros bagaille qui t'est arrivé Caïn parce que Caïn te baille bon Dieu yon offrande qui pas te fait bon Dieu plaisir. Nous capable nous capable voir qui ça t'est arrivé. Ça veut dire
Nous-mêmes, pour nous offrir, plus que offrir volontaire, c'est un acte d'adoration. Les n'a adoré bon Dieu, nous avons un chant pour nous venir devant mon Dieu. Si c'est comme avec offrir, nous avons venu, il y a un chant pour nous capables offrir, bon Dieu, ça n'a pas offrir là. Ce n'est pas ça nous pas besoin. Ce n'est pas ça nous sentir comme si ça n'a pas fait nous rien si nous retirer dans la main, nous, dans la poche. Ce n'est pas comme ça. L'on a offert bon Dieu un bagage, ou besoin d'offrir un bagage qui gagne valeur. C'est David qui te fait déclaration ça. David dit, comment je ne peux pas sentir bien pour me battre bon Dieu un bagage qui ne pa vaut rien. Même un bon ami qui a gagné, l'on a fait un cadeau ou chercher un cadeau pour faire le plaisir. Un bon ami qui a gagné. Voir l'Éternel, que toute la terre c'est pour lui, toute bagaille qui est sous la terre c'est pour lui, tout ce qu'on possède, c'est dans ça au point. Dans ça, le au point pour capable bali. Pourtant, en pile monde, il a adoré bon Dieu de façon négligente. À ce moment-là, la parole de Dieu veut faire nous connaître, puisque offrande c'est un acte d'adoration, l'on a bâillé offrande dans les gens pour capable paraître devant mon Dieu. Gon jan pour capable bay offrande. Ouais, c'est pour capable avec cœur pour connaître wa bay bon Dieu yon bagay ka fait bon Dieu plaisir. Nous même en tant que l'homme, les moun bay non bagay qui pas fait nous plaisir, nous pas apprécier moun nan. Nous pas apprécier. Mais ces mêmes gens, les n'a bay bon Dieu yon bagay, nous besoin bay yon bagay qui fait bon Dieu plaisir. Et puisque offrande volontaire c'est un moyen pour nous capables de bénir. Les nous faisons avec un cœur sincère. Les nous faisons comme un acte d'adoration. Derrière l'offrande, les pour gagner bénédiction. Les ou bien une offrande volontaire, les ou bien une offrande, c'est un coup son semence qu'on semé. Nous prenons un simple exemple. Il y a un pied mango ça qui est dehors. Si je demande à Pasteur Kodo, peut-être depuis le vini, puis il y a un mango sale jauni là dans le souterrain. Combien de grains de mango ont été plantés? Un seul qui était semé. Et depuis combien d'années mango ça a baillé mango? Tout le monde a mangé mango. Son semence, c'est un coup d'azur offrande. L'homme a bon Dieu offrande. Derrière offrande, il y a une pile de bénédiction qui pourra le suivre. Si vous avez besoin de bénédiction, baille offrande avec un cœur sincère, une offrande volontaire. Ce n'est pas forcé pour vous forcer. Parce que si vous forcez, vous pourrez le regretter en retour. Vous pourrez le regretter. Vous pourrez dire, ah, je t'ai forcé pour me payer 2000 dollars, me payer 2000 dollars, mais qu'on a besoin encore pour marcher en souliers. Offrande volontaire est un acte d'adoration. Son acte d'adoration. C'est la première dimension qui gagne dans l'offrande volontaire. C'est un acte d'adoration. Lorsque vous venez pour payer l'offrande, vous adorez mon Dieu. Deuxième dimension. N'après avec ou à soir, l'offrande volontaire est l'expression de notre foi. L'offrande volontaire, c'est l'expression foi nous, qui montre nous comment, qui gens nous croient dans bon Dieu, qui gens nous connaît, qui ça bon Dieu y est, qui ça bon Dieu qu'a fait, et qui ça bon Dieu qu'on fait dans la vie nous. C'est l'expression foi nous, pour nous montrer les gens qui sont à côté nous, les gens qui vivent à côté nous, qui est bon Dieu y est. Et qu'on s'attouille quand même, il doit avoir foi dans bon Dieu. Offrande volontaire, c'est une expression foi nous pour montrer qui est, qui ça bon Dieu, qui est, qui ça le cas fait. Quelquefois, nous qu'on rencontre avec quelques monde, qui a parlé de un monde, gens qui croient dans mon nom, il a dit ça mon nom qu'a fait. Pauvre monde qui pour le passer, monde qui pour le mourir. Alors, à combien plus forte raison moi-même avec vous pour nous témoigner qui est ce bon Dieu? Dans la foi que nous gagnons dans bon Dieu, dans la foi que nous placons dans bon Dieu, pour nous dire qui est ce bon Dieu, là nous bâillons une offrande volontaire, ça montre tout le monde qui est à côté de nous qui est ce bon Dieu. Qui ça bon Dieu qu'a fait? L'offrande volontaire, c'est l'expression foi nous. Il dit comment là nous croyons dans bon Dieu. Qui côté nous qu'a arrivé? Ça c'est expression foi nous. C'est expression, c'est là nous offrions offrande volontaire. C'est avec cœur nous, avec
toutes nous-mêmes avec reconnaissance, avec amour. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'offre en offrande comme expression de foi, bon Dieu pourra le combler de toutes sortes de grâces. Ou pourra le couvrir avec grâce. Et ou pourra le gagner non seulement pour satisfaire besoin, pour satisfaire besoin famille, ou pourra le gagner pour capable satisfaire l'autre monde, pour faire bonnes œuvres. Pour capable aider ceux-là qui ont besoin dans l'église là, pour capable aider dans la construction de l'église là. Mais il faut accepter pour capable bailler une offrande volontaire qui représente l'expression de foi qu'on gagne dans bon Dieu. Et laisse ça, les ou fait offrande ça, ou après gagner une bénédiction qui pourra le suivre. Parce que offrande là gagne d'elle une bénédiction. Qui est-ce qui t'a voulu que bon Dieu approuve offrande? Tant qu'on te fait pour Abel. Eh bien, il faut capable faire une offrande avec expression foi. Foi qu'on gagne dans bon Dieu. Pratiquer chaque jour dans la vie. Comment on observe bon Dieu? Qui ça on fait pendant que on observe, on baille offrande? Comment on peut marcher? Ça, c'est la deuxième dimension qui gagne dans offrande volontaire. Si nous tournons dans chapitre 29 là, n'a pas gardé les gagnants dans verset 6. Verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Premier verset dans le chapitre là, il parlait de offrandes volontaires. N'a pas dans verset 9, verset 14, verset 17. Et là, nous venons verset 17. Quoi, offrande volontaire répétée plusieurs fois. L'Éternel, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement. Avait dit, David, t'es pesé sous mot volontaire. Ce n'est pas forcé pour y forcer. Le rabbi bon Dieu, ce n'est pas forcé pour y forcer. Et c'est ça qui pourra le suivre, bénédiction. C'est la bénédiction pour le sortir. C'est la bénédiction pour le sortir. Le faire offrandant volontairement. Troisième dimension qu'on a pris avec vous dans l'offrande volontaire là, l'offrande volontaire est l'expression de notre reconnaissance. De notre reconnaissance. Ça montre comment nous reconnaître ça, bon Dieu fait pour nous. David, serviteur de l'Éternel, a une raison pour le capable de parler de reconnaissance. Parce que côté bon Dieu sorti avec David, côté David teye, route bon Dieu passé avec David, bon Dieu baille David capacité pour le capable de déchirer lion pack en pack. Bon Dieu, bay David capacité pour le capable lutter en face Goliath. David a exprimé reconnaissance lui. Offrande volontaire, c'est expression reconnaissance. Côté bon Dieu, t'es fait ça, bon Dieu fait pour vous. Moi-même personnellement, je contribue d'éternelle reconnaissance à bon Dieu. Pour ça, bon Dieu fait dans la vie. Dans la vie famille moi des fois qu'on a marché m'a demandé est-ce que c'est moi bon Dieu remet passer tout le monde peut-être ou qu'elle dit ça tout est-ce que c'est où bon Dieu remet passer tout le monde pour ça bon Dieu fait bon Dieu pas jamais manquer ma parole pas jamais manquer ma parole et me river dans des situations except dans des situations pour me pas sortir bon Dieu mettez me dehors. Famille moi, rivé dans des situations pour ne pas te sortir. Bon Dieu, mettez-le dehors. Combien pour ne pas avoir reconnaissance à bon Dieu? Je suis capable de dire, tant que serviteur, si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Parce que bon Dieu tellement fidèle à moi, tellement fidèle à la famille moi, c'est pour me t'ap marcher demain en l'air. Côté me passé. Dans mois septembre qui saute passé, une grosse situation exceptionnelle qui rivait. Bagay m'rivé dans travail moi gen environ 60 moun qui entouré m pour te faire mal. 60 moun. 60 bâton, roche, colline. Mais bon Dieu mettez d'ailleurs qui est-ce qui a fait ça encore? C'est bon Dieu. Ça veut dire m'rivé dans des situations exceptionnelles. C'est pour ça moi-même, c'est pour les m'a ba offrande, c'est pour me capable ba offrande comme expression reconnaissance moi à bon Dieu. Et vous-même à soi. Est-ce que vous reconnaissez ça bon Dieu fait pour vous? Qui sont à faire pour bon Dieu? Pour ça le faire pour vous? David avec reconnaissance, il te dit faut me construire temple pour l'Éternel. Et vous qui sont le faire pour l'Éternel? Vous voulez bailler un bagaille qui a une valeur pour l'Éternel? Qui sont vous voulez faire pour ça l'Éternel fait pour vous? Est-ce que l'Éternel pas fait rien pour vous? Qui fait parfois comme si vous négligez pour capable de servir bon Dieu? Vous négligez parfois même temps vous pas voulez bailler pour bon Dieu. Vous négligez ça. Est-ce que c'est parce que l'Éternel pas fait pour vous? Ouais, offrande volontaire. Dans une dimension, c'est une offrande qui baille, qui c'est expression reconnaissance moun qui a servi bon Dieu, moun qui croit dans bon Dieu. Et quatrième dimension, offrande volontaire là, l'idée montrer amour. L'offrande volontaire est la démonstration de notre amour à Dieu. J'en aime bon Dieu. Lorsqu'on moun aime, ou offrir de bagaille qui meilleur. Pas vrai? Lorsque les gens qui remet, ou offrir des choses qui sont meilleures, des choses qui ont fait le plaisir. Eh bien, l'offrande volontaire, nous, c'est une offrande qui doit décrire l'amour que nous avons pour bon Dieu. Bon Dieu a un amour pour nous, un amour éternel. Un amour sans fin. Un amour qui n'est pas jamais fini. Est-ce que nous pouvons témoigner avec l'offrande, nous, qui j'en nous-mêmes en retour, nous aimons bon Dieu? Est-ce qu'on peut témoigner ça? Qui acte nous voulait poser? Qui action nous voulait poser pour nous capable témoigner qui Jean bon Dieu remet nous? Pour nous capable appliquer quatre dimensions ça yo. Premier bagaille pour nous faire, c'est offrir sans contrainte. Pas de monde qui doit contraindre nous pour capable offrir bagaille qui a offrir by bon Dieu. Non. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pas forcé pour vous forcer pour capable contribuer. Soit bail avec cœur content, bail sans contrainte, sans tristesse. Vous connaissez des monde qui confine bail offrande après ça, yo senti yo triste. Parce que vous avez offrande. Parce que vous avez l'autre bagaille, vous avez fait avec ça, vous avez là. Mais pour capable matérialiser l'amour qu'on gagne pour bon Dieu, c'est pour capable bail sans contrainte. Faut décider bail sans contrainte. La parole de Dieu montrait que Jésus-Christ, lui-même, pendant qu'il était dans le ministère, il y a des serviteurs, des servantes qui te portaient des offrandes. Ce n'est pas parce qu'elles te gagnent besoin, parce que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Ouais, dans Luc chapitre 8, verset 2 et 3, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant des rôdes, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ça veut dire l'église là besoin pour nous capables assister là avec ça bon Dieu by nous. C'est pas monde dehors pour qui vienne assister l'église là. Nous besoin assister l'église là avec ça bon Dieu by nous.
C'est sous nous qui comptons, pas compter sur l'autre monde. Et là, nous faisons offrande ça, bon Dieu a manifesté gloire dans la vie. Nou. Pour nous capables de faire une offrande avec expression amour nous pour bon Dieu, c'est sans contrainte. Sans yon pas forcer nous. Jean nous t'a décidé pour nous capables de faire. Deuxième bagaille qui montre ça, parce que la source de nos ressources est en Dieu. Côté source ressources nous sorti, c'est dans bon Dieu. Ça nous gagne, c'est dans bon Dieu sorti. C'est dans bon Dieu sorti. Et c'est ça David déclaré dans verset 14. Verset 14, il dit qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est dans bon Dieu. Ça n'a pas eu bon Dieu sorti. C'est bon Dieu, c'est source là. Par contre, pour cela qui est plus grand, qui qu'on aille prendre de l'eau dans la source. Chaque fois où on prend un gallon de l'eau dans la source, ou qui verse de l'eau a fini. Au contraire, si on ne pas retirer de l'eau dans la source là, de l'eau n'a pas monté. C'est chaque fois où on retire de l'eau a monté. Chaque fois où on retire de l'eau a monté. Bon Dieu, c'est source bénédiction. C'est source sorgain. Ou après tu un petit bagage là-dedans ou besoin retirer pour bon Dieu capable augmenter dans Psaume 24 verset 1 il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite c'est pour bon Dieu tout bagaille peut-être qu'a dit c'est fruit travail moi nous t'es forcé pour me faire ça qui est-ce qui bon force. C'est fruit de travail moi, c'est connaissance moi me mettre en œuvre pour me capable faire. Qui est-ce qui baille connaissance? Ça veut dire quoi toi au virer bon Dieu barré? Qui est-ce qui baille connaissance? C'est mon Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il dit car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pour que ça abatte ton gloire, comme si c'est moi qui travaille pour me faire. C'est dans mon bon Dieu recevoir. En pile, monde oublie si tout ça est possédé, c'est pour bon Dieu lié. Dans les gens qui ont fonctionné, dans les gens qui ont vivre, ils ont montré que, comme si ce n'est pas pour bon Dieu tout ça est possédé. Souhait ou gagne une bénédiction, c'est grâce, bon Dieu. Souhait ou qu'a manger aujourd'hui, c'est grâce, bon Dieu. Souhait ou qu'a habillé aujourd'hui, c'est grâce, bon Dieu. Souhait ou qu'on travaille pour capable rentrer l'argent aujourd'hui, c'est grâce, bon Dieu. Ou besoin reconnaissant. Et en reconnaissance, ou besoin venir devant bon Dieu avec une offrande volontaire. Parce que offrande volontaire, c'est une gratitude envers bon Dieu pour toute bénédiction qu'il bail. Et si vous pas fait offrande volontaire, c'est un coup pas recevoir rien de bon Dieu. Si vous pas décidé bail, c'est un coup pas recevoir rien de bon Dieu. Et pas gain monde qui pas gagné. Pas gain monde qui pas gagné pour bail. Non, parabole des talents, nous voyons que tu as un talent qui te distribué à trois mounes. Première, tu as fait talent travail, il double. Deuxième, tu as fait talent au travail, il double. Et troisième, qui te recevait un seul talent, il fouillait tout, il mettait. Et là, mettre là, tu es retourné, il te félicité de premier, troisième, il te dit, prends ça, moi te bay là, et même prends même ça, le pas gagné. Ça veut dire pas gagné, moun qui pas gagné. Moi, mette apprêté ça, le pas gagné, la vieille. Ou gagné. Ou gon bagaye pour offrir, bon Dieu. Si ou pas gagné l'argent, ou gagné, sent, ou gagné tant qu'on ka offrir, bon Dieu. Si ou pas ka offrir, bon Dieu, tant, ou gagné la vie, ou même ou ka offrir, bon Dieu. Ou gagné cœur qu'on ka offrir, bon Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 18-19, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Serviteur t'a déclaré, il dit tout ça le recevoir, c'est dans mes bon Dieu, yo sauti. Est-ce que vous-même sont recevoir dans la vie ou? Est-ce que c'est pas dans mes bon Dieu, yo sauti? Est-ce que c'est pas bon Dieu qui bat ou yo? C'est ça que fait matin, assoya. Avec un cœur sincère, nous besoin présenter devant bon Dieu. Si dans un temps, nous te négligé faire volontairement des offrandes, depuis à soi, à prendre décision pour capable bailler dans l'église là des offrandes volontaires. Et prendre décision dans travail ça qui gagne pour capable faire pour capable bailler offrande. Pour capable montrer bon Dieu, témoigner la reconnaissance. Pour capable montrer bon Dieu comment ou quoi celui qui bon Dieu qui ça le fait. C'est ou de témoigner expression de foi à bon Dieu. Pour capable louer bon Dieu. Pour capable glorifier le nom de Dieu, montrer bon Dieu qui ça lié, qui ça le fait, qui ça le fait dans la vie. Je dis à ce moment pour nous capables réfléchir sur la vie, nous comment nous te conservons bon Dieu avec offrande nous. Comment nous te cap nous te conbaille offrande nous. Est-ce que nous te conbaille avec tristesse? Est-ce que nous te baille avec contrainte? Si nous baille avec tristesse, offrande n'a pas gagné valeur. Nous besoin baille bon Dieu un bagage qui gagne valeur, un bagage qui sorti dans cœur nous, dans fond cœur nous, et bon Dieu a accepté puisque il sorti dans cœur nous. Derrière acceptation bon Dieu, nous pouvons joindre bénédiction pour la vie nous. Qui est-ce qui t'a aimé béni à soi? Qui monde qui t'a aimé joindre bénédiction à soi? Décider pour capable volontairement porter offrande nous dans temple là. Et souvenir volontairement avec offrande nous. Bon Dieu a accepté et vous avez une bénédiction pour toujours. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce soir.